Et bonjour, internautatrices et internautateurs. Nous retrouvons la tribu du Cygne Noir dans Geldenbourg. Nos compagnons Onyx, Malvinette et Ardarine. Alors, j'ai un peu recherché, j'ai trouvé ce qu'était le technologiste, c'est ça, leader moral et spirituel qui dirige les rituels et conseille personnellement les croyants. Voilà, donc il est nécessaire d'avoir trois archistes dans la tribu, voilà. Ce qui est le cas, hein, puisque mes trois gars sont tous les trois archistes. Donc, je vais faire un technologiste. Alors, ça va être. Alors, Ardarine, c'est mon gars qui est déjà bio. Il a quoi? Il est propriétaire foncier. Donc, je vais peut-être le laisser avec ces trucs de l'Imperium. Je vais mettre. Alors, Onyx, elle sera plutôt. A priori, c'est plus intéressant que ce soit. Comme pour l'instant, c'est elle qui est ma spécialiste en recherche. Que je la mette sur ce type de. Comment ce type de rôle-là. Donc, ça va être Malvinette qui va être notre technologiste. Donc, je vais faire un changement de rôle. Je vais dire que je veux que Malvinette deviennent technologistes. Voilà, a priori, ça ne nécessite pas grand-chose. Et on va commencer la cérémonie avec de nouveau la boule à facettes. Elle en dit des choses, Malvinette. Hein. Notre grande technologiste. Bon, c'est pas passionnant là, comme cérémonie. On s'emmerde un peu. Allez. Et voilà, réussite du changement de rôle. Bravo, GG. Félicitations Malvinette, tu es désormais notre technologiste. Alors j'imagine que. Ouais, l'environnement est pas ouf. Bah, nous en excusons. J'ai besoin d'un masque, semble-t-il. Puisque quand je vais sur le guide spirituel, je vois que vêtements requis, c'est un masque. Alors le problème, c'est qu'elle a déjà un casque. Bah, elle aura plus de casque. Fabriquer, est-ce que je peux faire un masque? Oui, un masque. Tac. Alors, pour l'instant, je vais voir. Ça se fait soit en bois, soit en acier. Il y a besoin d'avoir. Ou en argent. Je vais le faire avec quoi? Je vais le faire avec de l'acier. J'en ai plus des masques, il va falloir que j'en. Refasse un. J'ai besoin de combien de ma 15 de métal. Qui est-ce qui. Non. Doc. Tout travailleur. Pff, ça va être Onyx, hein. Avec ces deux en artisanat. Tac. Quand Onyx. Raffine sa bouche, je vais lui dire d'aller faire. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas? Ah oui, parce que j'ai pas su. Ah bah. Il y aura demain. Bonne nuit, Onyx. Bon, je vais pouvoir continuer mes murs. Mes murs un peu solides. Hein. Et toujours pas d'attaque. Tiens, je pourrais peut-être prévoir des pièges d'ailleurs, au cas où. Où est-ce qu'il est susceptible de se planquer?
J'en sais rien. Alors, les pièges, le principe, c'est qu'on ne peut pas en mettre deux côte à côte. Donc, pour l'instant, on va en placer de manière. Parce que nous, de toute façon, ça ne nous gêne pas. Toi, tu vas disparaître. Toi, t'es pas encore à 100%. Donc, on avait dit, on a des blocs de marbre et des blocs de calcaire. C'est un peu con, en fait, que j'ai fait du calcaire en plein milieu. Hop, c'est pas grave. Ça, non, ça c'est un échec. Fais-moi du marbre. Hop, 45. Tac. Oh merde. T'as le truc, il a jamais servi, il est déjà cassé, quoi. Super. Alors, Onyx, non. Ah ben, on répare. Comment perdre des composants mais d'une façon. Hop. Allez. Je vais me faire un superbe masque en métal. Et puis il faut que j'aille choper. Tiens, de l'argent, ça c'est bien. Je vais pas regarder effectivement quels étaient les minerais qu'on pouvait récolter à proximité. Voilà, fabriquer un masque. Il doit être tout pourri, je pense. Horrible, pas mal. L'onde psychique s'est arrêtée. Bon, je fais mes pièges. Ah, bah du coup, c'est Onyx qui a pris le masque horrible. Alors, j'ai besoin de métal. De métal. J'ai toujours besoin de métal. Hop. On récolte un peu à droite à gauche. Ah, de l'argent. Toujours de l'argent. Hop. C'est qui notre champion mineur? Ah, je crois que j'avais mis personne en mineur. Ardarine et Malvinette. 3 roues et 4. Ouais, c'est pas génial. Voilà, Ardarine va aller nominer tout ça. Allez, on est parti en trois fois. Des fois que. Ouais, on avait dit, hein, normalement, c'est cool d'être à côté d'une d'un grand axe parce qu'il est censé y avoir plus de marchands, mais là, pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. Bon, et puis j'ai peut-être un moment où je vais commencer à développer, de faire des vraies chambres. Hein. Plat simple à pourri, c'est un peu con. C'est un peu con. C'est vrai qu'en fait. Ah, mais attends, il y a un truc. Ils sont sympas, c'est les réfrigérateurs muraux. Alors, je pourrais faire un petit réfrigérateur mural, double. Ouais, j'ai pas fait le métal.
qui servent à... Ça permet de remplacer le... De remplacer les murs et tu fais... Tu peux mettre des plats dedans. C'est assez pratique. Ouais, c'est normal qu'il ait fait ça, mais... Ah, fournisseur militaire. Alors, ça y est, mon réfrigérateur mural. Moins 5 degrés, tu vas me mettre dedans les plats raffinés. Peux tout mettre. Mettre que du raffiné et puis un autre allez soyons fous dans lequel je mettrai des plats simples là je suis avec une priorité normale voilà donc il a déplacé les plats et puis l'avantage c'est qu'en plus ça permet aux cuisiniers de les délivrer directement. Ici. Alors, mon commerçant. Qui est mon commerçant? Geôlier. Les Malvinettes. Commerce. Eh ben, termine ce que tu es en train de faire. Ensuite, échanger avec Pépère. Alors, qu'est-ce que je peux te revendre? Pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux t'acheter? J'ai actuellement un revolver et un fusil. L'armure, je pense que ce ne sera pas pour tout de suite vu le prix. Hein. Des tocs. J'ai juste un couteau en place d'acier, ce qui est pas mal non plus. Schéma technique, je ne sais pas ce que c'est. Projet de recherche, pack d'orso. Bon, de toute façon, c'est trop cher. Des médocs, c'est toujours bien. J'en ai déjà 30. Bon, c'est vrai que pour l'instant, comme il est plutôt gentil, marteau Zeus, waouh, bâton Neltex, je sais pas ce que c'est que ce matériau. C'est que des trucs que je connais pas. Mitrailleuse, mitrailleuse, mitrailleuse. Ça peut être pas mal une mitrailleuse. Pour remplacer mon revolver. Ouais, mon revolver, il est normal. La mitrailleuse, ça peut être sympa. Allez, c'est parti. Et on va rester avec ce que j'ai là. Tac. Et du coup, qui est-ce qui va porter la mitrailleuse? Ça va être notre meilleur tireur, Ardarine. Que tu es Ardarine. Tu es ici. Donc, quand tu auras fini, tu vas aller t'équiper de la mitrailleuse, ce n'est pas Onyx qui va la porter. Tac. Hop, ça, je voudrais que tu me transportes rapidement. Hop. Histoire que ça pourrisse pas dehors. Ah, stop. Pardon, pardon, pardon. Toi, je peux t'enlever. Donc là, je veux des places simples uniquement. Voilà, donc ça me fait un bon stock de bouffe. Non, c'est ça que je voulais décocher. Place simple. Voilà. Ah, enfin, en plus, je vais avoir de l'aide. Ils attaquent immédiatement. Combien sont-ils? Ils semblent particulièrement doués en tactique de combat. Oh là là, mon Dieu, j'ai peur.
à peu près autant que contre mon rat de la dernière fois. Je pense que j'ai même pas besoin de bouger les oreilles. Il va se faire dépouiller par le revendeur militaire. Voilà. Hop, on va assister à un massacre en règle. Boum. Voilà. C'était vraiment très très dur. Tac. Et voilà. Ça me fait un médoc gratos. Moi, je vais pas pleurer. Je vais peut-être avoir besoin de bois. C'est pas impossible. Hop. Tac. Parce que... Ah oui, j'ai plus de stock de bois du tout. Ah, une pousse d'ambroisie. Alors, quand il y a une pousse d'ambroisie, ce que je fais en général, c'est que je donne une zone agricole. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, jusque là. Tac. Et ensuite, je dis que je ne veux pas qu'on sème ou qu'on coupe. Et comme ça, quand ça sera poussé, eh bien, mes gens viendront le récupérer gentiment. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, oh. Ouais, on va peut-être pas faire le nettoyage non plus. Hein. Peut-être pas exagérer. Ah. Car les pesteux. Je savais que j'aurais dû le... m'en débarrasser. Bon, c'est pas grave. J'ai pas de... Vu que j'ai pas de combat... C'est pas très très difficile pour moi. Hop, récolte-moi les plantes qui sont à maturité. Alors, un chef, discours de chef, cours de travail, commandement, procès. Toujours pas ce que c'est que ces histoires de... Ah oui, d'accord. Là, je pourrais faire un admirateur de la réflexion. On va faire des masques. Hein. Ça m'énerve quand ils font des trucs et qu'ensuite ils vont pas qu'ils les ramassent pas. Alors qu'ils sont... là j'ai du métal à... C'est quoi comme sol? Dalle en béton. Ouais. J'ai mes premières pommes de terre qui sont sorties avec mon riz. C'est beau. Une fois la bidoche. Ouais, ça me fait récupérer un peu de métal. Sans doute beaucoup de boulot pour pas grand-chose.
Ah, une capsule de sauvetage. Alors, est-ce que de toute façon j'ai envie de te garder? Ouf, ça c'est chiant. Pas d'action violente quand même quand tu dois te défendre. C'est pas terrible. Bonne cuisinière, unité psychique, jalouse, grande marcheuse. Toute façon, je suis pas sûr qu'elle voudra bien me rejoindre. Alors, par contre, du coup, il me faut. Ça, je peux me définir comme un médical. Qui est-ce qui doit aller la sauver? On a dit que c'était notre médecin, c'était Onyx. Qui décharge son inventaire. Et Onyx, et ben, dès que tu as fini de décharger ton inventaire, tu vas secourir Flynn. Soit ça réussit et j'arrive à la recruter, ça me fera toujours une personne en plus, c'est pas un mal. Soit elle s'en va et dans ce cas-là, bah, ça me fera des meilleures relations avec, avec son clan, avec sa faction. Alors, je vais installer stockage plus, me faire des palettes pour mettre tout ce qui est bois. Ah oui, dans les petits trucs à éviter, c'est d'avoir juste devant les portes des zones de stockage. Là, je pourrais mettre aussi panier à nourriture, histoire de stocker. Plus sur moins de place. J'étais censé avoir coupé du bois. Je n'en vois pas. Est-ce normal? Et j'avais dit qu'il fallait que j'aille chasser. Pour aller chasser. Un grossiste. Commerçant, c'est toujours bien. Je suis pas obligé de me piétiner mes plantations, mais bon. Malvinette. Quand tu auras fini de déconstruire, non, tu vas me transporter tout ça en urgence. Tu mangeras. Qu'est-ce que tu fous à avoir pris des. Ah, c'est qu'il n'y a plus de. Tac. Tac. Ensuite, tu vas échanger avec notre ami grossiste. Alors, pantalon synthétique. Et, bah tiens, pour être filé Karl, ça me ferait 170 thunes. Ah, ou alors sinon je prends une femelle. Ah, si. Là, pour le coup, ça vaudrait le coup. Qu'est-ce que je vais t'échanger? De toute façon, de la bouffe, j'en ai plein. Je vais te refiler mes patates. Je vais le garder parce que c'est chouette. Acier, ok. Bois, j'ai vraiment que dalle. Les composants, c'est toujours indispensable. Ration de survie.
Et puis ça, bah, je vais le garder parce que quand même, j'ai besoin de faire des vêtements, je serais content de les avoir. Ça me fait dépenser 182. Est-ce que je peux t'acheter autre chose d'intéressant? Je ne pense pas. Neutroamine, c'est bien, mais bon, on n'est pas donc. Allez, on va faire des bébés ânons. Tac. Peut-être me faire un enclos du coup, puisque finalement j'ai bien fait de le garder, Karl. Karl Lan. On va se faire du coup un enclos. Une clôture de quel côté? Plutôt bah, par là, ça me semble pas mal. Hop, j'ai pas besoin que ce soit très grand pour l'instant. Hop. Un petit 12 par 12 avec un portail ici. Et un marqueur d'enclos. Là. Normalement, pour mes deux ânes, ça devrait suffire. Mais pour ça, j'ai besoin de bois. Donc, il serait bon que vous bougeassiez les fesses et que vous me coupassiez ce bois. Bon, Flynn n'a toujours pas pris sa décision sur le fait. Qu'elle restait là au feu, saleté. Et oh, on arrête de pioncer là. Peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un qui veuille bien s'installer avec moi, s'il vous plaît. Comme le troisième épisode. Troisième épisode, bah, sans personne. C'est assez rare. La caravane s'en va. Au revoir. Farewell. Tiens, comment s'appelle mon ânesse? Anes 1, super. Comment est-ce qu'on va la nommer? Comment est-ce qu'on va nommer notre Anes? Où est-ce qu'on change ça? Où est-ce qu'on change ça? Là, entraîner. Eh ben, ça va être Carlette avec Karl. Ils me feront plein de Carlito. Qui est-ce qui s'occupe normalement des ces Onyx? Bon, d'abord, tu vas aller m'attacher Carlette. Et ensuite, tiens, me couper du bois. Alors, est-ce que... non, c'est un peu petit. Zut. Un peu petit. Zéro 93. Zut, zut.
Déconstruisons l'ancien chariot de supermarché. Tiens, ça serait quand même bien si je disais que dedans tu mets tout ce qui est aliment cru. Et matière végétale. En important. Et là, il faudrait que je dise de mon... Oh merde, j'ai fait en métal du coup. Accueillir une architecte de cabane dans les arbres. Alors attends. J'ai pas fait gaffe que je les avais fait en métal. Pêche. Stockage. Donc je voudrais que tu me stockes là-dedans. Tout ce qui est bois. Bah, tout ce qui est bois. Parce que ça peut prendre un peu de place. Mais moi aussi, tout ce qui est or et argent. Ce qui est à l'intérieur. Et vas-y, tu fais péter le texte, tout ce qui est textile. Des obus de mortier pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, une nouvelle quête est à accueillir. Elle s'appelle Accueillir une architecte de cabane dans les arbres. Alors. Chef, vous demande une faveur. Son ami est intéressé par les autres cultures. L'héberger pendant 11 jours. Ah, vas-y, palier. Oh, super. Bon, en même temps. Médicaments avancés, x15, sympathique. Hop. Alors, il me faut, du coup, en vitesse. Un autre lit. Et ben pour l'instant, on va pas l'affecter prisonnier. Tac. Elle va arriver là. Boum. Alors, il faut que t'ailles me sauver Onyx. Super médecine. Rassemble du riz. Non, tu vas. Loboga. Non, tu vas. Ah non, je ne peux pas l'achever. Oh là là, quel dommage. Voilà, ces stockages-là sont top. Carlette est en gestation. Ça y est. Ils ont fait des bébés. Et on va démolir ça histoire qu'il y ait assez à bouffer. Bon, et du coup, elle se barre. Ouah! Elle n'a pas décidé de rester. Définitivement la loose. Définir. Pour Loboga. Hop. Mais avec les autres. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font la tronche? Chouette des vêtements technologiques. Eh ben oui, il te faut un masque et une burqa. Super. Mais pour ça, il me faut notre super meilleure crafteuse, Onyx. Alors, il faut des burkas. Maladie, malaria, merde. Alors, Ardarim. Et Onyx, tu vas aller me soigner. Alors. Avec des médicaments.
C'est une bonne réussite de notre soin, qualité du traitement 100%, sympathique. Ah, ça y est, j'ai fait un deuxième masque. Réconforter, donc du réconfort à une personne pourrait être une effet d'un souvenir triste. Ouais, prêche de soin. Prêcher la force morale à une personne malade ou blessée à travers cela améliore. Oh bah écoute. Dès que tu auras fini, tiens, je pourrais peut-être le convertir. Bon. Hop, allez, pendant que ça pionce. Vague de chaleur, ça c'est pas cool. Vague de chaleur, tu vas me faire des refroidisseurs passifs et ça. Tac, un là. Un là, un là. Là, ça devrait aller. C'est juste que ça va pas suffire. Je vais pousser un peu le frigo. Hop. Hop. Et le dernier, voilà. Alors ensuite, tu vas faire une prêche de soin sur Ardering. Ah, il est endormi. Alors tu vas essayer de convertir. Ce serait drôle. Elle n'a pas réussi à contrarier par la tentative. Mais sa certitude a baissé. Ah merde. D'accord. Ok. Eh ben, non. On n'accélérera pas l'immunité. Enfin, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc là, il va faire chaud. Extérieur 51 degrés. Alors, il faut faire des burkas. Des burkas. Burkas. Eh ben. Le problème, c'est que ma température a tendance à augmenter. Je vais faire un deuxième à côté. Hop, des blocs de calcaire ici. Mur en calcaire. Qu'est-ce qu'on pourrait chasser? Les bisons, à mon avis. 10%. Ouais. Ah. Une meute de ch singes chasseurs d'hommes. Combien? Ça va, ils sont deux. Une petite meute.
Mais bon. Oui, Onyx. Onyx est là. Hop. Ah merde. On dit que c'est blessé. Ah, et l'autre s'est empalé sur un piège, c'est parfait. Hop. Onyx, oui, est à peine blessé. 97%, c'est vraiment pour dire que. Voilà, comme elle se soigne toute seule. Tac. Ça va l'immunité. Va se faire rapidement. Bien, donc on va avoir notre extérieur qui va être relativement protégé. Là, on va pouvoir. Ah mince. Si, ça se fait par-dessus, formidable. Hop. Hop. On le descend à moins 19. Ouais, ça permettra de conserver une température dans notre frigo suffisamment faible. Oh, c'est même pas affecté par les coups de chaleur ici. Trop balèze. J'avais dit d'aller chasser. Le Nuffalo, c'est pareil, c'est 10% de chance, je crois. C'est ça, 10% de chance qu'il soit pas jouasse. Alors, la forge est terminée. Usinons. Il n'y a pas beaucoup de créatures sauvages, donc. Allez, on va chasser l'alpaga, la tortue, le lièvre et la rate. C'est assez étonnant. Alors, je ne les veux pas en métal. Le métal, c'est bien. Nourriture en bois. Voyage vers les étoiles, c'est pas tout à fait pour tout de suite. Donc c'est l'objectif final, hein, le voyage vers les étoiles. C'est d'arriver à faire en sorte de. Comment? Oui, j'ai l'architecte. Ah, oh, je l'ai pas vu celui-là. Donc le voyage vers les étoiles, ainsi une IA amicale de votre passé, nommée Charlton Whitestone, vous envoie un message, elle vous révèle qu'elle a un vaisseau spatial caché sur cette planète, et vous envoie les coordonnées de sa position. Le vaisseau est actuellement en mode d'hibernation profonde, vous devrez le démarrer quand vous y arriverez, puis le défendre contre les pillards qui essaieront de le voler jusqu'à ce que la séquence de démarrage se termine. Si vous arrivez à faire décoller le vaisseau, Charlton Whitestone vous emmènera dans l'espace, hors de ce monde déjanté. Voilà, donc c'est l'objectif final. Hein. En théorie, on a terminé la partie. Soit quand on arrive à aller chercher donc le vaisseau spatial de secours. Vous voyez, il est très 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 loin. Je rappelle que moi je suis ici. Voilà. Donc il faut se taper tout le trajet jusque dans une zone glaciale, donc avec peu de provisions. Donc il faut déjà avoir une tribu qui soit un clan, qui soit quand même vraiment solide pour pouvoir faire ça. Soit donc l'autre possibilité,
c'est de rester sur place et de construire un vaisseau soi-même, en y mettant bah, tous les... voilà, avec bah, le fait qu'on va se faire attaquer derrière, donc c'est le principe, hein, c'est que dès qu'on se fait attaquer, enfin, dès qu'on a un vaisseau qui est sur le point de démarrer, sur le point de fonctionner, et ben on va devoir le défendre contre tous ceux qui veulent nous le piquer. Un site forestier. Bien. Malvinette, te fais pas de bile, cocotte. Chaud, dans le noir. Dortoir horrible. Bon, il faudrait quand même. Ça y est, donc là, il a développé. L'immunité, donc du coup, la maladie perd en puissance. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aide? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aide? Ah, mais non! Ah, zut! Je me suis planté. Ça, c'est pour les colons. Donc, toi, c'est ton tien, le beau gars. Hop, le secourir, c'est toi, là. Vous trois, vous êtes pour les prisonniers. Pourquoi est-ce que tu veux pas que je le fasse pour les prisonniers? Impossible de... En extra... Ah merde, d'accord. Ok, c'est la même merde. Bloc de marbre. Moi. J'aurais besoin que tu me fasses des blocs de granit. C'est dommage, tu me fais de l'ardoise. C'est la teuf! Bah, le vinette, on fait une fête. Sauf que une meute encore de chasseuses d'hommes. Oh là 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 là! Les cobayes sauvages! Ça va chier. Ouh, qu'est-ce que tu fous là, Ardarine? Partout. Même si tu les crains quand même assez peu, ils sont potentiellement plus rapides que toi. Et c'est toujours mieux quand on est plusieurs. Hop. Tu t'arrêtes là, Malvinette. Bim. Prends-toi des coups de mitraillette dans la chetron. Bien. Finish off. Finish off. Détruisez-y, sachetron. Allez, tac. Bon, on va faire un mur pourri. Si, tac. Un mur en quoi? En marbre. Allez, en marbre. Tac, mur en marbre, là. Bon, un petit coup de soin vraiment pour dire que 93%. Par contre, tu vas essayer de convertir.
quelqu'un quand il dormira plus. Loboga. Bon, je pense que ça va être le temps de s'arrêter. Un épisode un peu plus long que les précédents. J'ai laissé passer le temps. J'espère que cet épisode vous aura plu, comme les précédents. Moi, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît toujours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me donner des noms qui me permettront de vous intégrer un jour, peut-être, dans cette folle aventure qui est celle du clan des Jeux du Cygne, dans Geldenbourg. Des bisous tout le monde!